jamais. Bienvenue dans le cinquième numéro de l'émission radio-télévisée, le grand débat sur Golf TV Africa et Golf FM Africa. Aujourd'hui, nous parlons de la coalition pour la défense de la démocratie au Bénin, ce regroupement de partis politiques et de personnalités politiques qui a effectué sa première sortie publique le samedi 14 avril 2018. Pourquoi cette coalition et quel est son agenda? Que pensent les soutiens politiques du gouvernement du président Patrice Talon de cette nouvelle organisation de l'opposition? Voilà les principales préoccupations au cœur de l'émission de ce dimanche avec l'ensemble de nos invités. Je commence par vous présenter Gaston Zosso, ancien ministre de la Communication. Gaston Zosso, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci d'avoir accepté notre invitation. Roch Nyaoui David, agrégé de droit privé, président du Parti Alternative Citoyenne, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci pour l'honneur que vous nous faites de par votre présence sur ce plateau. Merci. Prudent Victor Topano, maître de conférence de sciences politiques et personnalité membre de la coalition pour la défense de la démocratie au Bénin. Prudent Victor Topano, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Geraldo Gomez, secrétaire général adjoint chargé des questions stratégiques du parti USL, Union Sociale Libérale. Bonjour, monsieur Gomez. Bonjour, monsieur Audio. Merci de faire partie de ce plateau. Merci pour l'invitation aussi. Et le cinquième invité sur le plateau principal, docteur Patrick Unon, enseignant chercheur à l'université d'Abomey-Calavi, département de sociologie et anthropologie. Il est spécialiste des sociologies politiques. Docteur Patrick Renon, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci d'être là. Merci. Le public est présent ce dimanche, comme c'est le cas toutes les deux semaines dans cette émission. Mesdames et messieurs du public, bonjour. Bonjour, monsieur le Merci président. D'applaudir très très fort pour vous-même. Alassane Sani, fidèle au poste. Alassane Sani, bonjour. Bonjour, Rachid Odjo. Vous l'annonciez tantôt, le 14 avril dernier. Eh bien, Diafa était devenue la capitale de l'opposition politique, si vous voulez, au régime actuel. D'importantes personnalités politiques se sont retrouvées. Eh bien, à cet endroit, deux anciens chefs d'État, un ancien médiateur de la République, un candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2016. Eh bien, ils ont dénoncé, bien entendu, la gestion du pays actuel. Nous allons d'abord revenir sur cet événement à travers ce reportage que je vous propose. Difficulté certainement avec ce reportage. Voilà, on nous annonce que tout est en train d'être mis en route. Boni Yayi, ancien président de la République, et Sébastien Germain Adiavon, candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2016, qui a coalisé au deuxième tour avec l'actuel chef de l'État. À leur côté, l'ancien médiateur de la République, Albert Tevoïdre. Tous sont présents à cette rencontre auquel on massivement prépare, chef de parti et mouvement politique, qui ne sont pas d'accord avec la gestion actuelle du pays. Aujourd'hui, notre pays tangue. Le peuple affamé est inquiet. La jeunesse déboussolée sous le déploiement d'une gouvernance aveugle, rapace, indifférence à la souffrance humaine, sourde aux cris du peuple et foulant aux pieds le contrat social qui unit toutes les filles et fils de ce pays. Un tableau sombre selon la lecture des leaders politiques ici présents qui se veulent désormais une coalition pour, disent-ils, défendre la démocratie au Bénin. Puisqu'à leur dire, des actes posés par le gouvernement dit de la rupture ne sont pas de nature à garantir la stabilité dans le pays. Une véritable chasse à l'homme est ouverte sous le couvert de la lutte contre la corruption, alors que c'est contre les opposants à la politique actuelle, qu'il s'agisse des hommes d'affaires, des élus locaux, des syndicalistes de proue et des femmes de nos marchés. Des assauts répétés contre la justice dont on veut remettre en cause l'indépendance, une justice qui tient bon. La conséquence de cette gouvernance catastrophique, c'est que notre pays est paralysé depuis bientôt 3 mois et les rouages essentiels du fonctionnement de l'État sont bloqués. Les établissements scolaires et les universités sont fermés. Les élèves et étudiants sont dans la rue et interrogent avec angoisse
l'avenir. Les hôpitaux sont fermés et la population est privée du droit élémentaire aux soins de santé. Les tribunaux sont eux aussi fermés avec toutes les conséquences sur la vie quotidienne des paisibles citoyens. Des recommandations ont été faites au regard de l'imminence des législatives. Nous demandons au président de la République de faire installer sans délai le COSLEPI conformément aux décisions de la Cour constitutionnelle. De faire procéder à un audit préalable de cette LEPI en vue des élections législatives et présidentielles constitutionnelles qui sont insusceptibles de report. De redonner la parole au peuple en convoquant d'urgence une assise nationale des forces vives en vue de redéfinir de nouvelles bases consensuelles de gouvernance du Bénin. En cas de non-satisfaction des exigences, le peuple béninois, maître unique de sa souveraineté, sera invité à prendre ses responsabilités conformément à la Constitution. Boni Yayi et Nicéphore Dieudonné Soglo, deux anciens présidents qui ont réellement marqué de leur présence ce rendez-vous. Un événement rare qui suscite assez d'interrogations dans le rang des participants. La coalition pour la défense de la démocratie au Bénin lance ainsi sa machine de veille et entend peser de tout son poids pour la paix et le bien-être social. Pour ce reportage que nous avons consacré à la rencontre du 14 avril 2018 à Djeffa, Prudent Victor Topano. Si vous avez participé à cette rencontre, c'est sans doute parce que vous êtes convaincu que la démocratie aujourd'hui est en danger, elle est menacée. Quels sont, selon vous, les faits qui illustrent qu'il y a péril sur la démocratie béninoise pour que vous éprouviez le besoin de former une coalition pour la défendre? Merci pour cette introduction, j'ai bien suivi l'élément. Je voudrais juste attirer votre attention sur le fait que ce que j'appelle le plus petit dénominateur commun, c'est-à-dire le seul point sur lequel tout ce qui était là-bas à Djeffa le 14 avril était d'accord, c'est le fait que la gouvernance actuelle est faite de violations constantes des décisions de la Cour constitutionnelle, de la Constitution en conséquence, et des lois subséquentes. Nous estimons qu'au niveau de la gouvernance économique, sociale, culturelle, il peut toujours y avoir de discussions, il peut y avoir des contradictions. Mais il y a un point sur lequel on ne peut jamais marchander, c'est accepter que le président de la République viole au quotidien la Constitution sur laquelle pourtant il a juré. Et la Constitution, au moins dans deux dispositions, le lui rappelle à satiété. Je pense d'abord à l'article 41, qui dit que le président de la République est le garant du respect de la Constitution. On fait de lui l'obligation de respecter, ou même de se battre pour que cette Constitution soit respectée. Il y a ensuite l'article 53, qui est le test du serment. Et dans le test, il est très clairement écrit que le président jure solennellement de respecter et de défendre la constitution que le peuple béninois s'est librement donnée. Il y a également d'autres dispositions, notamment l'article 59, qui rappelle qu'il a l'obligation de faire respecter les lois et de faire respecter les décisions de justice. Or, il se trouve que depuis seulement moins de 2 ans, le président de la République a à son actif un certain nombre de décisions de la Cour constitutionnelle qu'il n'a pas respectées. Et quand je dis respect de la Constitution, j'entends bien évidemment que l'article 124, alinéa 2 et 3 de la Constitution rappelle d'une part que les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Et l'alinéa 3 qui rappelle qu'elle s'impose au pouvoir politique, à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles. Et c'est pour ça que, si vous voulez, je peux vous faire la litanie des décisions que le président de la République viole, mais au quotidien, et qui ne peut laisser personne indifférent, y compris même ceux qui sont avec lui. La preuve, c'est qu'hier, le président Soglo a quand même joué un rôle très déterminant dans son élection. Pourtant, le président Soglo estime
qui ne peut pas cautionner le fait que tous les jours, on viole les décisions de la Cour constitutionnelle. Je vais commencer, je vais peut-être vous en donner trois. Est-ce qu'en dehors des violations, de ce que vous appelez violations constantes des décisions de la Cour constitutionnelle et des lois de la République, est-ce qu'il y a d'autres faits dans le pays qui, pour vous, témoignent de ce que la démocratie est menacée? Prenez juste acte de ce que je vous dis. Ce qui est central et qui est inadmissible pour n'importe quel responsable de ce pays, c'est de voir que le président de la République décide de violer quotidiennement la Constitution. Après, tout ce que vous voulez dans la gouvernance économique, sociale, culturelle, on peut en discuter, mais il y a un point qui est non négociable, qui est une espèce de ligne rouge sur laquelle tout ce que vous avez vu à Djeffa se sont mis d'accord pour parler. Pour le reste... Allez-y pour les décisions. Je prends la première. Vous savez, la représentation graphique du Bénin. Le gouvernement a décidé de faire une nouvelle représentation graphique. Et c'est une bande qui reprend le drapeau du Bénin. Et dans cette bande, vous avez aligné le vert, le jaune, le rouge. Un citoyen a saisi la Cour constitutionnelle, a montré que le vert, le jaune, le rouge, c'était le drapeau du Mali et non pas le drapeau du Bénin. Que dans le drapeau du Bénin, vous avez dans un premier rectangle le vert et ensuite superposé dans un deuxième rectangle le jaune et le rouge. La Cour constitutionnelle a estimé que le citoyen avait raison. La Cour constitutionnelle a demandé que le gouvernement reprenne cette représentation graphique. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'est pas encore fait. Vous passez devant les ministères de la République, vous voyez des drapeaux mal ficelés sur les affiches. C'est la même chose pour les documents officiels. Vous prenez les documents officiels, vous voyez la bande de drapeau, elle est vert, jaune, rouge, aligné, non pas dans le sens de ce qui est défini dans notre Constitution, mais dans ce que les responsables du gouvernement ont voulu avoir. Ça, c'est le premier et probablement le moins important. Je peux vous rappeler aussi la décision sur la dissolution de l'ARCEP. Une décision a été prise en estimant que les membres ont été illégalement, inconstitutionnellement limogé. Rien, mais absolument rien, depuis 2 ans, n'a été fait pour rétablir cela. Depuis le mois de juillet, dans notre ordre juridique interne, l'Assemblée nationale devrait désigner les représentants de l'Assemblée au COSLEPI. Ils ne l'ont pas fait en juillet. Août est passé. En septembre, un citoyen béninois saisit la Cour pour lui dire: vous ne devriez pas laisser faire l'Assemblée nationale. Depuis le mois de juillet, conformément à la loi qui a été déclarée conforme à la Constitution, ils auraient dû désigner. Ils ne l'ont toujours pas fait. La Cour, croulant sous le poids de son travail, n'a pu prendre une décision que le mois de décembre, soit 2 mois après. Et la Cour dit à ce moment-là, aussi longtemps que le cadre juridique interne n'a pas évolué, vous avez l'obligation de désigner vos représentants au COSLEPI. En conséquence de quoi, je vous donne jusqu'au 21 décembre pour le faire. Et je vous donne jusqu'au 29 pour qu'ils commencent le travail. Et en plus, je vous donne 6 mois pour terminer le travail. Mais comme si de rien n'a été depuis le mois de décembre, janvier, février, mars, l'Assemblée nationale n'a absolument rien fait. Absolument rien fait. Et tout le monde sait que, et c'est pour ça que le lien qu'on a fait avec le président de la République, c'est que pour lui, il avait les dispositions constitutionnelles que je viens de rappeler qui lui font l'obligation de défendre, y compris quand il voit en face qu'il y a une autre institution qui viole, il a l'obligation de défendre. Donc on lui demandait de faire quelque chose, et puis en plus, comme par malheur pour lui, l'Assemblée nationale a une écrasante majorité de 60 députés qui constituent le bloc présidentiel. Et on s'est dit, moralement, il est leur leader. Si on le lui demande, il peut le leur demander. Et la preuve, c'est que quelques jours après, il a fallu qu'on fasse ça pour que l'Assemblée nationale désigne ses membres. Voilà. Mais ce n'est pas tout. Si vous voulez, on pourrait toujours continuer. Je finis peut-être pas là. Non, je vous ai dit qu'il y a une douzaine. Et c'est pour ça qu'il y a eu un ras-le-bol. Je vous donne le quatrième rapidement. Le quatrième, j'en arrêterai là provisoirement. Il est inacceptable que depuis le mois de janvier, qu'un membre de la Cour constitutionnelle a démissionné, que c'est son droit le plus absolu de démissionner, et est prévu un mécanisme de remplacement à sa place, le gouvernement fait comme si de rien n'était, et mieux,
comme pour injurier l'intelligence collective, on a eu deux versions différentes. La première, celle de M. Houmbedi, qui est le directeur de la communication, qui était à une émission Café Média devant ses collègues, et qui dit non, le gouvernement ne l'a pas fait parce que justement on va vers la fin du mandat de la Cour constitutionnelle et qu'il est inutile de désigner un remplaçant à qui on devra encore payer des frais d'installation, etc. Voilà. On s'en serait contenté si le ministre Diobonou n'était pas venu dire le contraire. Lui, il vient carrément à l'ORTB, une chaîne concurrente, pour nous dire très clairement que de toute façon, la démission ne serait effective qu'à partir du moment où le membre aurait été désigné. C'est un scandale. Je ne comprends pas cette interprétation. David, est-ce que vous retrouvez à travers cette déclaration le président de la République qui ne respecte pas les décisions de la Cour constitutionnelle, qui viole les lois, qui n'a pas respecté son serment? Est-ce que vous retrouvez à travers cette... Alors, je voudrais d'abord dire ceci. Au Bénin, nous avons... une construction d'un état de droit. Nous avons la vitalité de la démocratie à travers d'ailleurs ce qui s'est passé à Diéfa. Les gens se sont réunis, ont estimé que quelque part il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays. Et puis donc c'est un droit absolu reconnu par la Constitution qui a été exercé, et donc sur ce plan, vitalité de la démocratie, construction d'un état de droit. Les gens n'ont pas été inquiétés, donc ils ont fait ce qu'ils veulent faire. Maintenant, on dit le président de la République viole constamment la Constitution. Alors, s'il n'y a pas de jurisprudence, puisque la Cour constitutionnelle est saisie à chaque fois, s'il n'y a pas de jurisprudence, quelque part, on nous dira, ben, notre démocratie n'évolue pas. Il n'y a rien de bon dans cette démocratie. Cela démontre encore une fois qu'il y a une certaine vitalité de cette démocratie à travers les décisions de la Cour constitutionnelle. Maintenant, quand on fait un procès au président de la République en disant... il viole la Constitution constamment, personne ne se pose la question de savoir si cette Constitution ne doit pas être toilettée. Si quelque part au plan pratique, il n'y a pas quelque chose qui ne va pas, à s'en tenir à la légalité pure alors qu'il y a des questions de développement, à s'en tenir à la légalité stricto sensu alors qu'il y a des questions urgentes, on doit peut-être ensemble se poser la question, est-ce que cette Constitution ne mérite pas quelque part un regard, un autre regard? Autrement, il faut la regarder et aller dans un sens qui serait peut-être profitable à la nation béninoise. Est-ce que le besoin de toiletter une Constitution peut justifier qu'un président de la République qui a prêté serment pour la respecter puisse la violer? Je ne dirais pas que le président viole la Constitution. Le président pose d'exact. Et il appartient à la Cour constitutionnelle de vérifier la conformité de ses actes par rapport à la Constitution. Donc il ne faut pas faire un procès au président de la République en disant qu'il viole la Constitution. Le président Victor Topanou a donné 4 exemples de décisions de la Cour constitutionnelle qui n'ont pas été respectées par le gouvernement. Je prends seulement l'exemple du Cosse-Lépine. Et c'est à ce niveau que je reviens encore sur l'utilité ou sur l'élément pratique qu'il faut encore envisager. Le Cosse-Lépine sert à quoi ? Aujourd'hui, même si on s'en tient à la légalité, il faut désigner les membres du COSLEPI, je suis d'accord. Mais nous avons un autre système, nous avons le RAVI qui est là, qui doit pouvoir récupérer les données biométriques, personnelles et comment ça s'appelle, de tout le monde. Alors, est-ce que l'on va dire le COSLEPI a installé les gens alors qu'ils ne feront rien, d'autant plus qu'il y a une autre commission technique qui est là et qui fait déjà le travail? La loi de 2013 sur le COSLEPI, c'est une loi qu'il faut revoir. Le problème est là. Donc je ne prends que cet exemple pour vous démontrer quelque part qu'il y a une volonté d'aller dans le sens de l'amélioration du quotidien au sens juridique. Mais ce que les autres ne comprennent pas. Alors, Gaston Zosso, vous qui avez défendu la légalité de tout votre parcours politique, comment vous sentez-vous aujourd'hui que vous soyez le soutien politique d'un président de la République qui est accusé de violer constamment les décisions de la Cour constitutionnelle? Merci beaucoup. Quand j'ai entendu dire avec force que la Constitution était violée au quotidien par le président de la République, je m'attendais à une catastrophe, à une récitation de catastrophe. Je me suis rendu compte
ce qui pourrait bien s'agir juste de chartes graphiques de couleurs de drapeau. J'ai un profond respect pour le drapeau. Quand on hisse le drapeau du Bénin, j'ai même parfois et bien souvent monté des larmes. Mais ça, ce n'est pas une grosse querelle. Je vous parlerai, moi, des grosses querelles. Violer la Constitution et s'attaquer à la démocratie dans notre pays, c'est précisément ce dont nous avons guéri depuis 2 ans. C'est quand le président de la République peut dire « Je ferai venir les miettes du Bénin profond et ils vont s'affronter ». Personne s'en était ému. C'est quand on a reçu une confidence d'une maison particulièrement respectable, le président, chef suprême des armées, je mettrai le pays à feu et à sang. En ce moment-là, la Constitution n'était pas violée et la démocratie n'était pas en péril. C'est quand un fonctionnaire a quitté sa maison depuis 4 ans, 5 ans, 6 ans, n'est pas rentré dans un contexte particulièrement brumeux qui dérange tout le monde. C'est quand, pour la même faute, le transport de carburant de contrebande, on a un fusil de dos en une région du pays pendant que le Damian florissait dans la région du président. Violer la Constitution et s'attaquer à la démocratie, c'est quand on dit soi-même, président, je vais bondir. Je vais bondir. C'est quand on se constitue en faux bondisseur. Du temps où nous étions les antilopes fragiles. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas le sentiment qu'il y a péril en la demeure. La preuve est que les querelles, je ne dis pas qu'elles se résument à des questions de couleur et de disposition de couleur, mais si on éprouve le besoin de citer cela, c'est parce que, aux yeux de ceux qui jugent, même ça, c'est une catastrophe. Victor Topanou a énuméré 4 décisions de la Cour constitutionnelle qui, selon lui, n'ont pas été respectées par le président de la République. Vous vous attaquez uniquement à l'une de ces décisions. Que dites-vous de la décision concernant la CEP et de la décision concernant le membre de la Cour constitutionnelle qui a démissionné? Vous savez, chers amis, une voiture qui est au garage ne court aucun risque de subir de contravention. Celui qui bouge, celui qui fait des courses, celui qui pousse, celui qui a les mains aux manettes et cherche la solution et qui est dans une démarche de renaissance de notre pays, bouge. Et dès lors qu'il bouge, comme il a été dit par le professeur David Nyaoui, peut subir la régulation. Si je suis dans ma voiture et je mets le clignotant à gauche et que la police me dit c'est plutôt à droite, l'essentiel est que je fasse à droite. Mais qu'on ne me reproche pas de bouger. Et je dis que celui qui bouge, celui qui n'est pas venu faire de la maintenance, celui qui n'est pas venu faire de la jouissance au pouvoir et qui cherche des solutions, pourrait, de temps en temps, avoir affaire au système de régulation. Le plus important, c'est d'obtempérer. Et ce qu'on pourrait aussi débattre, c'est le délai que l'on se donne pour obtempérer. Je pense, très sincèrement, que quand on peut se réunir, où on s'est réuni, pour faire une attaque de cette puissance sur le système démocratique et remettre en cause le rythme normal de la démocratie que constituent les élections légales, et quand l'un des membres de la troupe a pu dire « Moi, je suis prêt pour la guerre », et dit le mot de guerre 2 fois, c'est là-bas qu'il y a danger, c'est là-bas qu'il y a intempérance, c'est là-bas que nous devons peut-être quémander de la part des grandes personnes de la Réunion de rechercher de la cohérence, de cesser de distraire ceux qui bâtissent. On parle de difficultés économiques, de réalité, de morosité. Gaston Zossou, je pense que c'est bon pour l'instant. Gérald Gomez, on a suivi dans votre déclaration, vous avez trouvé la nécessité d'appeler à une assise nationale pour refonder les nouvelles bases de la gouvernance du pays. À en croire les déclarations de Gaston Zossou, il n'y a pas de péril à la demeure. Merci bien, vous faites bien de rappeler l'intervention à l'instant de M. Zossou. Et je voudrais y lier celle de M. Nyaoui aussi, et je suis inquiet, vu la légèreté avec laquelle les deux ont pris des éléments essentiels sur lesquels il y a opposition exposée par M. Topanou à l'instant,
Cette légèreté, au mieux, tente de cacher leur malaise à soutenir ce qui est insoutenable, mais au pire, témoigne d'une certaine démission. On est en train de parler de principe. Ce n'est pas une opposition de principe ni de raison, c'est une opposition sur les principes. Et les principes sont rappelés par la Constitution. Il n'y a pas de négociation avec la Constitution. Quand j'entends M. Ignavi dire il y a peut-être des choses à faire, à renouveler, à toiletter dans la Constitution, mais maintenant on peut la violer, je suis inquiet. Monsieur David, hein, pour qu'on puisse retenir. Monsieur Odjo l'a même rappelé, vous l'a relevé là-dessus. Non. Est-ce que, en attendant de toiletter la Constitution, chacun de nous, vous, Monsieur David, moi, vous n'avez pas la parole, comme le président de la République, qui de surcroît a le devoir de garantir le respect de la Constitution, de la respecter jusqu'à ce qu'elle soit toilettée. Et qu'on prenne cette légèreté dans le langage et dans la conception même, parce que je sens que c'est une conviction de sa part, puisqu'il y revient. Je suis inquiet. Et quand des exemples de violations constantes de la Constitution sont relevés par M. Topano, et que M. Zossou, avec la flamboyance qu'on lui connaît, tente de banaliser. J'y reste. Et je vais continuer. Le principe de cette émission, monsieur le maire, vous permettez que je rappelle ce principe qui nous est très cher. Vous avez toujours la parole. J'ai la parole, donc je rappelle le principe à monsieur Zossou, À tout le monde. Lorsqu'un invité a la parole, les autres invités sont priés de garder le silence. Il y aura toujours un temps de réplique, nous vous en prions. J'espère que monsieur Zossou l'a entendu, monsieur Ignaoui également. Je reviens donc en disant que lorsque les exemples qui sont cités sont relevés avec légèreté pour dire question de drapeau, et on se rattrape immédiatement en disant j'ai un attachement au drapeau, mais on l'a dit quand même, le drapeau n'est pas si important. Mais 4 exemples ont été cités, il en reste beaucoup d'autres. Le principe, c'est le respect de la Constitution. Et il y a une institution qui est prévue. Pour que s'il y a divergence d'interprétation de cette Constitution, la fin de la récréation puisse être sifflée. Monsieur Zossou, ce qui a été dit jusque-là, ce n'est pas d'empêcher quelqu'un de bouger. Quand vous avez mis votre clientèle à gauche et que le flic, le policier, la Cour constitutionnelle vous dit c'est à droite, voilà ce qu'on vous reproche, c'est de continuer de tourner à gauche. C'est de continuer de s'entêter à vouloir tourner en gauche, à gauche, alors que le policier vous a dit non, c'est à droite. Voilà ce qui est reproché. On n'empêche personne d'agir. Tous autant que nous sommes, nous avons le devoir d'action, surtout quand on est président de la République et que nous sommes dans un régime présidentiel, il est à l'action. C'est normal. Il peut donc commettre des impairs. C'est normal aussi. Personne ne le blâmera pour ça. Mais lorsque l'action posée enfreint la Constitution, et que la Cour constitutionnelle saisie se prononce, il va devoir obtempérer. Mais que vous, aujourd'hui, vous trouviez normal que même enfreindre aux décisions de la Cour constitutionnelle, c'est une action et qu'il faut la considérer comme telle, je suis inquiet. Géraldo Gomez, merci. Alors, nous sommes sur un plateau de télévision. Il faut que les téléspectateurs et les auditeurs connaissent correctement tout le monde. Roc Ignaoui David, il est Monsieur David, n'est pas Monsieur Ignaoui. Nous profitons de cette occasion. Oui, cette confusion, nous la faisions aussi, mais je pense que nous avons une occasion pour faire en sorte que cette confusion puisse être quand même effacée pour toujours. C'est Roc Ignaoui David, il est Monsieur David. Je vous prie de m'excuser. Docteur Patrick Renon, vous en tant que spécialiste de la sociologie politique qui travaille également sur votre pays, le Bénin, au même moment que vous travaillez sur d'autres pays, alors, quel est l'analyse sociologique que vous faites de ce phénomène que nous vivons de façon périodique, qui consiste, lorsqu'un président est au pouvoir, de voir tout simplement tous ceux qui l'ont aidé à conquérir le pouvoir d'État, de se liguer rapidement contre lui. Ça a été le cas pour le président Soglo, le cas pour le président Kérékou, le cas pour le président Bouniaï, aujourd'hui le cas pour le président Patrice Talon. Est-ce que c'est notre sociologie qui fait le lit à ces pratiques ou où se trouve le problème? Merci beaucoup. Avant de répondre exactement à votre question, je voudrais bien m'interroger sur l'événement de la rencontre de Djeffa. Il faut d'abord chercher à connaître les principaux acteurs de cette rencontre pour découvrir après les motivations qui sont les leurs.
Alors, la première des choses qu'il faut retenir, c'est que ils ont fait preuve, ils ont exercé un droit, celui donc de s'exprimer. La première des choses. Si nous cherchons à connaître les hommes, les principaux acteurs de cette rencontre, nous avons deux anciens chefs d'État. Donc, des personnages qui ont fait l'exercice du pouvoir d'État. Et nous avons ensuite M. Adjavon qui nourrit des ambitions politiques. Et ensuite, nous avons un chef d'État, pardon, un chef de parti politique, M. Nguyen Oumen et Albert Evoyer qu'on ne présente plus. Mais pour découvrir les motivations qui ont été au cœur des discussions à Djeffa, nous avons en première position le conflit d'intérêts. En tout cas, au bout du rouleau, on peut atterrir sur le champ de la mauvaise gouvernance et de la violation des décisions de la Cour constitutionnelle. Pour l'instant, il est difficile de conclure à une certaine pertinence des réactions que j'ai suivies sur ce plateau, dans la mesure où exercer son droit. Ne jugez pas les réactions des autres. Non, je ne suis pas en train de juger. Est-ce que vous dites qu'il est difficile de conclure à une pertinence? Montrez-nous que, sociologiquement parlant, ce à quoi nous assistons n'est pas inédit. Au fait, c'est ce que je voudrais que vous puissiez démontrer en tant que spécialiste. Je vous remercie. Je ne suis pas en train de juger. Ce n'est pas inédit. Cela rentre dans l'ordre normal des choses. Parce que la logique du pouvoir, la construction de l'État, veut que ceux qui ont été à l'avant-garde donc de l'élection d'un chef d'État s'attendent normalement à ce qu'ils aient le retour de la manivelle. Dans ce cas de figure, si nous considérons l'histoire politique de notre pays, vous l'avez rappelé, ce n'est pas pour la première fois. Mais il y a une démarcation à faire entre l'envie d'exercer le pouvoir et le fait de constater que ces motivations, à la base, ont été quelque peu déjouées dans le temps. Et donc, lorsqu'on n'arrive pas à cerner l'osmose qu'il pourrait y avoir entre ces deux niveaux, on pourrait s'attendre à des cassures, à des replis, à des fissures. Et c'est ce que nous constatons. Ceux qui ont aidé le président à se faire élire ont estimé à un moment donné, compte tenu d'un certain nombre de choses, qu'il n'est plus opportun de continuer la course avec lui. Donc c'est juste parce qu'ils ne sont pas associés à la gestion du pouvoir qu'ils ont aidé à conquérir qu'aujourd'hui ils se mettent ensemble pour faire une opposition. Vous ne m'avez pas bien suivi, ce n'est pas seulement cet aspect de la chose qu'il faut prendre en considération, ça ce n'est qu'un volet. Le second volet, c'est que quand bien même vous avez été à l'avant-garde d'une lutte et que chemin faisant vous découvrez que les idéaux qui ont été les vôtres au départ ne sont plus respectés. Lorsque vous constatez, chemin faisant, que le conducteur d'une moto ne respecte pas un certain nombre de choses, en tout cas un certain nombre de principes que vous avez définis, il va de soi que l'un mis à côté de l'autre, vous preniez la décision de vous démarquer par rapport à sa gestion, par rapport à la conduite de ses affaires. Voilà. Merci de votre analyse. Victor Tocqueno, quelles sont les raisons profondes de ce front, de cette coalition? Est-ce que ça se limite à ce qu'on a déjà entendu, ce que vous venez de dire, ou bien vous visez loin? En fait, je me réjouis finalement d'être venu à cette émission, parce que j'ai comme l'impression que vous avez du mal à comprendre. Ce qui s'est passé à Djeffa, ce n'est pas une coalition politique, diable. Vous avez entendu ça où? Ce n'est pas une coalition politique, c'est une coalition de personnalités politiques, intellectuels, d'associations de la société civile qui disent nous n'avons probablement pas tous, nous sommes tous pas tous d'accord sur la gestion que fait le président de la République depuis 2 ans. Mais en revanche, il y a un seul point sur lequel nous sommes tous d'accord, c'est que nous ne pouvons pas accepter la violation constante de la Constitution. Et je rappelle que c'est la Constitution qui a prévu que les décisions de la Cour constitutionnelle soient sans appel et s'imposent à tous. À partir du moment où, en si peu de temps, on observe une violation aussi répétée,
Dieu merci, nous avons un pays où les gens ont encore de la, ont de la conscience. Il y a un certain nombre de personnalités qui se lèvent, qui disent « ça n'est pas normal et allons le dire ». Nous sommes allés le dire. Je suis convaincu que s'il n'y avait pas eu ce motif, il n'y aurait pas eu Jeffa, le 14 avril. Il y aurait probablement eu une coalition politique. Et je suis même prêt à soupçonner que cela préfigure, si vous me posez la question en ces termes, je vous dirai oui, cela préfigure probablement une réunion, enfin une coalition politique. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Mettre en place une coalition politique. Comment comprendre, Victor? Laissez-moi finir. Parce que on a tendance dans notre pays à ne faire que des débats de personnes. De personnes. Voilà, hier, c'est parce qu'ils ne sont pas là en train de bénéficier non, de la non, gouvernance. Non. Prenez Victor Topal. Comment pouvez-vous comprendre qu'au sein d'une coalition, il y ait deux anciens chefs d'État qui sont toujours actifs sur la scène politique, qu'il y a un candidat qui a échoué à l'élection de 2016, qui est encore revenu en 2021, qui a déjà promis mettre la barre très haut, qu'il y a d'autres personnalités politiques, et que vous pensiez que l'opinion ne considère pas la coalition comme étant politique. Mais c'est parce qu'il faut expliquer à l'opinion. Nous avons une opinion très intelligente. Croyez-vous que les Béninois sont si incapables de comprendre des actions? Et ça, ils ont vu dans ce pays le fonctionnement de l'UN. L'UN était une coalition de personnalités politiques. Mais on a vu, ce fut un cheminement. Ils n'ont pas été tous d'accord au début. Ils se sont mis progressivement. Ils finiront aussi par devenir une structure politique. Mais c'est ce que je vous dis, ça n'est pas annoncé comme une structure politique. Mais vous vous évertuez à le faire avant même que cela ne soit le cas. Probablement. Lorsque la procédure, le processus de coalition politique commencera, probablement certains qui étaient là le 14 n'y seront plus. Mais ils sont venus tous simplement parce qu'il voulait dénoncer la violation. Et permettez-moi de dire, allez-y, j'ai la parole. De dessous, il n'y a pas de problème, vous aurez la parole juste d'être équitable. Nous veillons à l'être. C'est vrai, alors, nous ne sommes pas parfaits, mais ne vous en faites pas. Vous aurez, il y a le temps de parole pour tout le monde. Monsieur Gaston Zossou, vous n'avez pas la parole, mais comptez sur notre professionnalisme, notre volonté à faire en sorte qu'il y ait de l'équité sur le plateau. Merci. Si le principe est un principe, il est valable pour tous. Parce qu'on est tous capables de couper lorsque les gens parlent. Alors il faut dire à Monsieur Gaston Zossou. Je pense qu'il a compris. Vous pouvez avancer, s'il vous plaît. Parce que s'il commence, nous aussi, on va le couper à chaque fois. On en est capable. D'accord? Bien. Et on n'a pas de leçon à recevoir. Quand il parle d'amphithéâtre, il y a dedans théâtre. Et je crois que c'est lui qui fait du théâtre. Tout moyen. Bien. Je voulais revenir sur un point. C'est vrai que M. Gomez a eu tout à l'heure le doigté de le rappeler. Et j'ai vu la réaction du professeur David. Ce qu'il a dit laissait effectivement croire que parce qu'il y aurait besoin de retoucher la Constitution, parce que ce n'était pas le sujet, mais c'est apparu dans ses propos, on peut comprendre qu'on puisse violer constamment aujourd'hui. Je crois qu'il a réagi en disant que ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Tant mieux. Je lui donne acte. De la même manière, quand le ministre Gaston Zossou, mais je dirais plutôt le directeur de la Loterie Nationale, parce que j'ai même été surpris qu'il n'ait pas été présenté comme tel. Il n'est pas qu'ancien ministre, il est en fonction. Et ça peut justifier un certain nombre de prises de parole. Et le sociologue politique est là. Le temps que vous prenez pour faire ça, il aura le même temps de parole tout à l'heure. Absolument. Donc je ne serai pas compris. Vous gagnerez à l'épreuve au but. Prudent Victor Topal, s'il vous plaît. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai quand même été surpris que dans sa première prise de parole, il ait éprouvé le besoin de rappeler que des choses que le président Yahya avait faites. Comme pour dire, et pourtant je sais qu'il est enseignant, il a été enseignant, mais ce n'est pas parce que quelqu'un a fait mal qu'on justifie qu'on puisse faire mal aussi aujourd'hui. Mais, et puis ça fait 2 ans que Yahya n'est pas là. Arrêtez de toujours rappeler les histoires de Yahya. Vous l'aviez fait pendant la campagne, ça a permis de gagner. Mais je crois que c'est fini. Alors, merci. Gaston Zossou, vous aurez le même temps de parole. Alors, comment comprendre que dans votre intervention, vous ne visiez que l'ancien président de la République, Boni Yayi, alors qu'au sein de cette coalition, il y a beaucoup d'autres personnalités politiques. Je ne voudrais pas sortir du champ. On parlait des violations de la Constitution. On a fini avec cette partie 1. Si vous revenez là-dessus, c'est dans votre temps de parole. Bien sûr. Aujourd'hui, on parle de violations de la Constitution, mais sous le règne, en tant que président de la République,
d'une des personnes de la grande réunion qui est objet de ce débat. On a marché sur la Constitution physiquement. Et l'histoire de notre pays nous prescrit de nous rappeler qu'on a tiré sur le domicile du président de la Cour constitutionnelle. Quand on a été de cette histoire-là, de ce niveau, je dirais, d'incivisme, même d'acte, je dirais, dangereux pour la communauté, il est difficile pour nous qu'on nous invite, comme ça le professeur Topanou, de nous inviter à boire au fleuve de l'oubli, de ne nous souvenir de rien du tout. Il est difficile pour moi d'oublier que j'avais peut-être 35 ans quand Nicéphore Soubé allait renouveler son mandat et que le frère Melchior, c'est Albert Théouré-Grey, qui porte ce nom aujourd'hui dans le registre des nouveaux baptêmes, il nous a dit que ces personnes-là volaient de l'argent pour se soigner les yeux. Et sur cette base, on nous a mobilisés et on s'est peut-être débarrassé de Nicéphore Soglo. J'ai le sentiment qu'il y a dans notre pays des entités, des êtres que l'on vit avec soi, non pas parce qu'ils ont des solutions aux problèmes, mais parce qu'on crée leur capacité de nuisance. Ce que moi j'ai vu à Djeffa, il n'y a rien de plus incompatible en leur nature, en leur histoire. On ne peut pas continuer de nous dire qu'il ne faut pas faire attention à ceux qui se sont attaqués physiquement, ceux qui ont tiré sur des paysans de dos, ceux qui ont discriminé, ceux qui ont fait remonter les résultats de concours à la présidence pour être passés au crible de l'ethnie de la région, qu'on nous donne aujourd'hui des leçons et qu'on nous supplie d'oublier. Moi, je pense qu'il ne faut pas oublier ça. Maintenant, je voudrais dire très respectueusement à M. Topanou que s'il fait bien de rappeler que je parle en tant que directeur général de la Loterie Nationale du Bénin, moi je pourrais aussi soupçonner qui je veux de mercenariat intellectuel, parce que ce n'est pas seulement l'État qui paye les salaires, il y a des privés qui peuvent payer les salaires. Merci beaucoup. Alors, oui. Vous avez utilisé des mots très forts. Si nous ne vous avons pas arrêté, c'est parce que nous savons que ceux qui sont visés sont sur le plateau et auront aussi le temps tout à l'heure de vous répondre. Vous avez parlé des civismes, vous avez parlé de mercenariat intellectuel. En temps normal, ce sont des expressions que nous ne laissons pas passer, mais ceux à qui vous adressez sont sur le plateau. Alassane Sonny, vous permettez, Roch David Yanoui, vous avez la parole maintenant pour peut-être repréciser votre intervention du départ, parce que tout à l'heure, vous avez été obligé d'interrompre M. Gomez qui n'est pas bien. Donc, est-ce que vous avez été mal compris? Est-ce que vous voulez rectifier certains de vos propos? Ensuite, quelles sont selon vous les raisons cachées éventuelles de ce front anti-talon, de cette coalition qui est politique, même si Bruno Vittor-Panou se refuse pour l'instant de la considérer comme une coalition politique? Merci M. Odio. Je concède que quand on développe des idées, que celui qui écoute, je suppose, très activement, puisse interpréter à sa manière. Et c'est ce que M. Gomez a fait tout de suite. Je le lui concède. Mais je ne fais pas de confusion entre le fond et la forme. Ils sont sur le terrain de la forme. Moi, j'étais sur le terrain du fond. Et c'est à partir du fond que j'ai relevé alors l'idée selon laquelle il faut réfléchir un peu à cette constitution qui est peut-être vieillotte. Mais je ne dis pas que l'on donne un blanc-seing à quelqu'un pour violer la Constitution. Et je reprécise encore cette idée. Alors, M. Topan l'a dit tout à l'heure, la coalition n'est pas une coalition politique. Je vais bien le suivre. Mais vous avez des personnalités à l'intérieur de cette coalition. Vous avez une action qui a été, menée jusqu'à une déclaration quasiment politique. Mais s'il y a un problème de qualification au niveau, de l'ensemble de la communauté, je dirais béninoise, cette qualification, elle vient tout à propos. C'est une coalition politique. Ne nous dites pas que ce n'est pas une coalition politique aujourd'hui, ce n'est pas possible. Si nous comprenons ça de cette manière, c'est parce que vous avez à l'intérieur de cette coalition des gens qui sont des politiques. Et vous avez forcément des anciens présidents qui sont... On ne peut pas nous dire que c'est... Si c'était apolitique, alors... Si c'était apolitique, dans ce cas,
L'espace qui a été réservé à cette instance ne serait pas cet espace-là. On aurait dû organiser un séminaire de réflexion, un colloque de réflexion, et puis sortir des actes de colloque et dire, voilà, Monsieur le Président, nous vous proposons un certain nombre de recommandations. Ce serait vraiment l'idéal. Alors, pour revenir et pour finir avec cette, je trouve, hétérogénéité de cette coalition, des gens d'origine diverse, des gens qui ont fait des choses dans le temps, qui se sont combattus, et qui reviennent aujourd'hui pour dire, nous avons juste à défendre des principes. Des principes qui sont la violation de la Constitution par le président de la République. Ça, c'est pour nous tromper. Il faut qu'on nous dise la vérité. Nous voulons créer un parti politique. Nous avons déjà un parti politique. Nous voulons rester dans l'opposition parce que nos intérêts aujourd'hui ne sont pas protégés. Nos intérêts sont menacés. Voilà. Géraldo Gomez, quel est l'avenir immédiat de la coalition pour la défense de la démocratie, puisque certainement vous êtes en train de travailler? Qu'est-ce qu'on peut espérer immédiatement? L'avenir immédiat. Je pense que c'est une coalition qui a été mise en place pour bien conduire, en tout cas pour le compte de l'opposition, les prochaines élections législatives. La coalition a été mise en place, M. Topa nous l'a rappelé plusieurs fois, mais je pense que c'est un choix que de ne pas entendre, je vais le répéter. Pour parler de principes, et M. David le revenait après la séance de rattrapage que vous lui avez offerte, de parler de forme quand nous parlons de principes autour de la Constitution. Si c'est de la forme, cela ne fait que prolonger sa ligne de conduite, ce qui était déjà inquiétant dès le départ. La Constitution n'est pas une question de forme. Nous disons, nous avons dit à Djefa, et nous le répétons, notre pays aujourd'hui est dans une situation économique inquiétante. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président de la République lui-même qui le dit. Au bout de 2 ans, nous sommes passés de la pauvreté à la misère. Le pays est dans une situation sociale inquiétante. Depuis 3 mois, un blocage social inédit. On ne voit pas encore le bout du tunnel. Il ne faudrait pas qu'à cela viennent s'ajouter des difficultés politiques et probablement post-électoral. Il était temps que ces personnalités tirent la sonnette d'alarme pour dire « Attention, nous sommes en train de mettre notre clientèle à gauche tout en tournant à droite, Monsieur Zosu. » C'est de leur responsabilité. C'est de notre responsabilité. Et s'ils se sont combattus, si elles se sont combattues, ces personnalités, par le passé, c'est peut-être sur des principes. Elles ont eu aussi à mettre leur clignotant à gauche et à tourner à droite, mais ont été sanctionnées, soit dans les urnes, soit par la Cour constitutionnelle. Et si vous voulez parler d'opposition ou d'inconstance, vous pourriez citer comme exemple aussi. Vous avez combattu « Touche pas à ma constitution » ici. Absolument. Aujourd'hui, vous estimez avec le président de la République qu'il faut toucher à la constitution. Vous avez toujours, avec flamboyance, dit que retirer le droit de grève, c'est tresser une couronne sur la tête des secteurs auxquels on le retirait, et qu'à leur place, vous sauteriez de joie. Pendant qu'on y est, constituant un royaume avec chacun une couronne sur la tête, où on retire le droit de grève à tout le monde. En termes d'inconstance, en termes d'incohérence inhérente, on pourrait continuer de citer des exemples. Monsieur David, à la tête d'un parti, décrète, en signant un communiqué à tous ses militants sympathisants, que ceux qui feraient grève au sein du parti ne seraient pas pris en charge. C'est cela la liberté? Ce sont les principes dont nous parlons. Ce sont les entorses à ces principes que nous relevons et que nous continuerons de relever. Depuis Djefa, on a vu beaucoup de choses. On a vu beaucoup de gens se lever. Certains se souviennent qui sont à Porte Novo, qu'il y a une jeunesse à Porte Novo et qu'on leur offre un concert. On fait une marche. Heureusement, M. Zosu s'en est départi. On l'a entendu. Cela vous honore.
le respect de la parole est-ce que vous donnée. Vous faites un peu trop de la fixation sur M. Zossou. C'est pas un débat. M. Zossou est en débat avec moi. C'est Monsieur Odio, nous sommes les deux chauves de la place. Je laissais. C'est juste à ce niveau-là. Mais je tiens quand même à relever que ce soit vous qui fassiez remarquer que je fais fixation sur lui. Oui, parce que c'est notre rôle. C'est pas. Nous, c'est pas fixation sur la personnalisation du débat. Vous interrogez M. Zossou. Allez-y. Il répond. Oui. Je réagis par rapport à sa réponse, si vous pouvez le permettre. Allez-y. C'est en or, et puis on lui tressera une couronne comme il en aime tout à l'heure. Voilà. Nous sommes sur des principes et nous rappellerons sans cesse ces principes-là. Qu'on ne nous oppose pas des questions qui ont pu opposer, excusez la répétition des personnalités. Je viens de rappeler M. Zossou comme M. David sont en des principes, en des positions contradictoires dans la gestion de leurs affaires. Nous pouvons le rappeler et puis ça n'a fait pas avancer le débat politique. Essayons de rehausser le débat. Les principes ne sont pas négociables. Sur ces principes, nous devions nous retrouver tous. Mais si vous avez fait le choix, comme certains ont pu le dire, le président de la République a une intelligence au-dessus de la normale, et donc moi je sacrifie ma petite intelligence et je me mets aveuglément à son service, c'est un choix. Mais nous n'avons pas fait le choix des personnes. Nous avons fait le choix de la démocratie et des principes. Monsieur Gros, je termine jusque là, puisque vous parliez de. Il n'y a pas de problème, allez-y. De l'avenir immédiat de la coalition. Oui. Il s'agit de tout faire pour que les questions politiques, les difficultés politiques ne viennent pas en rajouter aux difficultés économiques et sociales que nous vivons déjà. À travers l'installation et la mise en œuvre réellement du COSLEPI d'une part, de l'audit de la liste électorale. Monsieur David nous a fait la confidence tout à l'heure que pourquoi il faut faire autant de manœuvres alors que le RAVIP est là. Tout le monde l'a entendu. Je tiens à insister là-dessus. Il y aura peut-être une séance de rattrapage encore pour revenir là-dessus. On attend pour savoir ce que cela veut dire. Le RAVIP est prévu par quelle loi pour conduire nos prochaines élections ? La LEPI est-elle prévue, et la Cour constitutionnelle l'a rappelé, qu'elle est le seul outil devant conduire toutes nos élections jusqu'en 2021. Décidez-vous encore de mettre votre clientèle à gauche et de tourner si à droite. Si vous posez des questions, il va vous répondre et c'est comme s'il vous interrompt. Je ne pose pas des questions à M. David. Ah, d'accord. Je pose des questions pour que les téléspectateurs puissent s'interroger sur ce qui a été dit sur ce plateau. D'accord. C'est bon. Vous avez fini pour l'instant. Merci. Docteur Patrick Raymond, quels sont les éléments que vous avez en tant que spécialiste de la sociologie politique qui prouvent qu'aujourd'hui, la coalition pour la défense de la démocratie n'est pas encore une structure politique ou au contraire, quels sont les éléments que vous avez qui montrent que c'est une coalition qui a été mise en place pour préparer non seulement les législatives de les prochaines élections législatives, mais également pour préparer la prochaine élection présidentielle. Merci beaucoup pour cette question. Il revient normalement aux acteurs, aux principaux acteurs d'une coalition, de donner sa nature. Mais en tant qu'analyste politique, on peut déjà comprendre, on peut essayer de rentrer dans l'antichambre de la rencontre pour partir de ce qui a été annoncé, puisque nous sommes dans le processus d'animation de la vie démocratique dans notre pays, on peut partir de ces principes, de ces éléments pour deviner que nous en arriverons à terme à une structure politique dont la vocation serait d'aller, n'est-ce pas, à la conquête du pouvoir. C'est de bonne guerre, en fait, parce que lorsque vous exercez le pouvoir, vous ne devez pas vous étonner d'avoir en face de vous d'autres regroupements, d'autres organisations politiques dont la vocation serait d'aller à la conquête du pouvoir d'État. Puisque cela fait partie même de l'essence du regroupement, d'un regroupement politique. C'est sa raison d'être, conquérir le pouvoir. Alors, dans cet élan, ou si vous voulez, dans cette nouvelle vente en chambre politique, on
pourrait en arriver à se poser un certain nombre de questions. Parce que des actes seront posés. Mais ce que nous pensons être l'objectif principal, c'est l'amélioration du quotidien du Béninois. Si cette coalition arrivait à devenir un parti politique, comme vous le disiez tout à l'heure, on peut espérer que ça ne devienne pas un parti attrape-tout. Le parti attrape-tout est un parti qui ne cherche qu'à gagner des voix. Non, avant ça, à se positionner au Parlement et ne pas faire ce pourquoi il est là, c'est-à-dire contribuer à l'amélioration du bien-être. Coalition mise en place juste pour combattre non seulement les actions d'un gouvernement qui ne respecte pas les principes démocratiques, mais peut-être une coalition pour combattre une personne. Est-ce que c'est la personne de Patrice Talon qui dérange, vous, en tant que spécialiste de sociologie? Non, il est difficile de répondre à cette question par l'affirmative. Parce que j'ai dit au départ qu'il faut s'en tenir à deux points fondamentaux. D'abord, les hommes qui ont animé cette rencontre, la qualité de ces hommes, leur statut, et deuxièmement, s'apesantir sur leur réelle motivation. On ne peut que s'en tenir à ces deux éléments pour le moment. Et lorsqu'on lit la déclaration, et lorsqu'on lit la déclaration en pensant à son esprit, il est difficile, à l'étape actuelle des choses, de dire que ces hommes, ces personnages qui se sont regroupés, ne visent que la personne du chef de l'État. Mais il faut ajouter que la personne du chef de l'État n'est pas à dissocier de l'essentiel qu'on pourrait reprocher par rapport à la gestion des affaires. Puisque c'est lui, le chef de l'État, c'est lui qui est le premier personnage, le premier responsable. Et donc, il est difficile, mais il est difficile, j'allais dire, de confondre les rôles, mais au même moment, on ne peut pas dire que l'esprit de cette déclaration ne vise que la personne du chef de l'État. Merci. Maintenant, nous allons nous tourner vers le public. Oui, je pense que la parole a été équitablement repartie. Si quelqu'un... Ah bon, pourquoi? Ah bon, nous pensons le contraire. De répondre. Ah, parce que nous avons fait le tour, comme d'habitude. Alors, il n'y a pas de problème. Voyez-moi, il y a eu des tirades... Non, puisque quand nous vous donnons la parole, c'est lorsque vous intéressez... Monsieur Gomez, je viens. Qu'est-ce que nous faisons? Lorsque nous vous donnons la parole, nous vous donnons l'occasion de disposer de votre temps de parole pour répliquer et nous faisons le tour. Mais bon, pour ne pas créer des frustrations, nous vous laissons parler. Il n'y a pas de problème. Allons-y, il n'y a pas de problème. Avant même que nous le démarrions, cette émission, et que le public n'ait accès à nous, mes charmants adversaires, on négocie avec vous-même, devant moi, afin que vous me présentiez comme directeur général de la loterie nationale. Mais c'est une négociation, ça. Vous avez servi une réponse. Oui. J'ai cru que les gens étaient satisfaits. On revient sur le débat. C'est pour faire une insinuation qui, de mon point de vue, n'est pas très honorable. C'est à cela que j'ai répondu, parce qu'il est important de répondre, que le service intellectuel contre espèce est possible aussi bien du côté du public que du privé. C'était que pour rendre justice. Ceci dit, quand je regarde tout ceci et quand j'écoute tout ceci, j'éprouve un seul besoin. Est-ce qu'on peut introduire un brin de sincérité, un brin de cohérence dans la sphère politique? Qu'on me dise, des communistes, collectivisation des moyens de production, anti-propriété privée. Ils attendent les colcos et les sopcos ici. Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec les bourgeois compradors? Vous ne voyez pas qu'il n'y a rien là de vraiment cohérent? Mais Dieu est magnifique. Il les a amenés à se faire appeler CDD, contrat à durée déterminée. Les jeunes, j'en aime pas ça. Ils veulent une vie solide. D'accord. Et puis on a parlé d'enfumage, c'est-à-dire
Un des leurs qui n'était pas présent a dit que sa vocation, c'était l'enfumage. Enfumer, c'est une technique en élevage d'abeilles, en élevage d'abeilles, où on envoie de la fumée pour distraire celui qui travaille. Ceux qui se sont réunis à Djeffa ont une seule vocation. Frustrés par l'attente, l'impatience morbide fait que maintenant on complote pour distraire celui qui a les manettes et qui a la ligne, qui a les yeux sur la ligne de l'horizon pour bâtir. Aujourd'hui, notre problème, s'il est économique, il faut le régler en tant qu'économique. Il ne faut pas réunir les personnes qui nous parlent de guerre. Parce qu'on y a parlé de guerre. Pourquoi on en fait la sourde oreille? Quand on vient parler ici avec élaboration, avec finesse, avec délicatesse, et qu'on a dans cette troupe quelqu'un qui en appelle à la guerre, pourquoi vous ne revenez pas dessus? Pourquoi cette sourde oreille que vous faites sur ce que moi je considère comme un appel à la sédition? Merci beaucoup. Non, comme nous l'avions promis, est-ce que par rapport à cette dernière intervention de M. Gaston Zosu, entre Prudent Victor Topano et Géraldo Gomez, quelqu'un souhaiterait prendre la parole pour une ou deux minutes et rectifier ce qui vaut, rectifier ce qui a besoin de l'être. Est-ce que c'est important? Ok. Donc, M. Géraldo, vous ne parlez pas, c'est M. Topano. Ou bien vous vous concertez, vous disiez quelqu'un. Pourquoi? Oui, parce que ils ne se sont pas concertés, il a pris. Non, il a parlé parce qu'il a touché à la coalition et nous vous considérons, vous deux, comme membres de la coalition. Oui. Voilà. Donc, voilà pourquoi je demande que, entre vous deux, quelqu'un prenne la parole pour répondre à M. Gaston Rousseau. On va le faire. Afin que nous puissions aller vers le public, je vous en prie. On va le faire. Ce n'est pas terminé. Après le public, on revient sur le plateau. Nous essayons, parce qu'après chaque émission, il y a des critiques, il y a des observations et nous essayons d'ajuster. Ça, ce n'est pas un problème. On reviendra vers le plateau après. Monsieur Topano. Non, il me plaisait simplement de rappeler à monsieur le directeur général de la Loterie nationale du Bénin qu'il est fort probable que pendant qu'il est en fonction, avec des avantages dans ce sens-là, il puisse biaiser sur sa mémoire. Il biaise sur sa mémoire parce que je n'ai pas le souvenir à titre personnel qu'un président de la Cour constitutionnelle ait vu sa maison fusillée dans ce pays. Il n'y en a pas eu. Il confond, et c'est pour ça que je dis que ses fonctions actuelles l'y amènent, il confond le président de la Haute Cour de justice, qui était à l'époque vice-président de la Cour constitutionnelle, avec le président de la Cour constitutionnelle, parce qu'à l'époque, c'était une dame qui était la présidente de la Cour constitutionnelle. Donc, je pense que quand on en arrive à ce niveau de confusion dans l'esprit de quelqu'un que tout le monde connaît, qui n'a pas toujours eu, la cohérence intellectuelle nécessaire dans son passé, il n'a pas de leçon à donner à qui que ce soit. Alors, j'aurais fini. Vraiment. Très bref. Que, en rappelant à M. Zosu que dans ce pays, il a marché contre le retrait des droits de grève. Que quelques temps après, parce qu'il se retrouve en situation de mercenariat intellectuel, il éprouve le besoin de penser qu'il faille enlever le droit. Il a surtout oublié que celui qu'il a embauché comme mercenaire était, il n'y a pas si longtemps, l'ami intime du président Yahi Boni qu'il est en train de condamner. Tout le premier mandat jusqu'à la réélection du président Yahi Boni, c'était l'ami du président. Merci, c'est suffisant. Il a oublié ça. On revient vers le public. Merci Victor Topano, j'espère que les téléspectateurs et les auditeurs vous ont bien entendu. Voilà. Merci, chers amis du public, d'être restés patients jusqu'à ce moment. Nous vous avons invité non seulement pour suivre le débat en direct dans ce studio, mais également pour intervenir. Chaque membre du public a 2 minutes. 2 minutes d'intervention. Pas plus, peut-être un peu moins, mais pas plus. Alors donc, une personne à gauche, une personne à droite. C'est comme ça, c'est de cette manière que nous allons procéder. Allez-y, vous vous présentez, qui est-ce que vous êtes, d'où est-ce que vous venez, et vous vous exprimez. Rebonjour, tout le peuple béninois. Rebonjour, monsieur. Merci de parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Oui, tout le peuple béninois, je vous salue. C'est un honneur pour moi ce matin d'être sur ce plateau. Et en respect du public et en respect également de la population béninoise, tout ce que je viens d'entendre par rapport à la violation des dispositions constitutionnelles, également la vie difficile dont le peuple traverse,
et la confiscation ou le conflit d'intérêts, eh bien, je pense que le peuple béninois mérite plus que ça. À la date d'aujourd'hui, où la jeunesse ne cesse de se chiner, ne sait pas quel repère prendre, et le chef de l'État se bat pour mettre en œuvre des projets phares, pour créer de l'emploi, pour quand même participer à subvenir aux besoins en termes de santé de la population. Et tout cela pris par, après l'héritage, après être élu, le peuple qui l'a élu étant redevable envers ce peuple. Et ce peuple mérite quand même d'être pris en charge. Après avoir diagnostiqué les causes, les effets doivent suivre. Donc l'urgence d'agir. En voulant agir, après le diagnostic, les résultats à l'issue des travaux ne répondent pas forcément, ne garantissent pas à long terme ce pourquoi il doit agir pour pouvoir les satisfaire. Et c'est ce pourquoi. Deux minutes, vous avez, cher ami, deux minutes. Parce que là, nous allons être intransigeants. Et c'est ce pourquoi se réunir à Djeffa pour des buts autres que tout ce qu'on a entendu, les Béninois méritent plus que ça. D'accord. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Monsieur Glipa a glissé un peu sur le temps qu'il est imparti pour son intervention. Respectez les deux minutes pour nous aider, s'il vous plaît. Donc, allez-y. Bonjour, chers amis. Bonjour, chers journalistes. Bonjour, les invités. Bonjour, le public. Bonjour, les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment-là. Moi, c'est Chabit Biakader. Directeur, j'ai été directeur d'un espoir de campagne, plan national d'espoir des candidats qui sont présidentiels de l'espace passé. Moi, bien sûr, l'espoir de la coalition, du secrétaire permanent, bien sûr, de la coalition de rupture, et pas vite à l'espoir le 5 dernier, nous avons plus de 48% à l'espoir de ceux-là qui représentaient respectivement leurs candidats, aussi à l'espoir de ce secrétaire permanent de rupture, qui, au-delà de ce qu'on peut penser, c'est l'aide technique qui a eu véritablement à ce que le chef militaire actuel soit là. Alors, président de la République, pour nous, on pensait un instant qu'on peut arriver aussi à faire de la politique autrement. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et à un moment donné, après deux ans, nous avons fait le bilan, n'est-ce pas, de ce que ça ne va pas. Lorsque vous prenez par exemple le contenu, je dis bien le contenu, n'est-ce pas, du protocole politique. Ce qui n'est pas le président candidat d'alors, sans vous mentir, rien n'a été respecté à ce niveau-là. J'en reviens, et c'est pour ça d'ailleurs nous avons pris notre responsabilité en démissionnant, n'est-ce pas, de cet ensemble-là, le 5 dernier. Deuxième chose que je voulais souligner par rapport à la démocratie. Lorsque il s'agissait, n'est-ce pas, à ce que les leaders politiques se réunissent au niveau, n'est-ce pas, de Djeffa, c'est une affaire, n'est-ce pas, de principe. C'est pour ça, d'ailleurs, que les gens ont vu que la liberté, n'est-ce pas, d'expression a pris un coup. Et lorsque, par exemple, les gens se mobilisent, n'est-ce pas, pour marcher contre, un certain nombre de choses. Quoi, quelques secondes pour finir. Je crois qu'ils sont souvent, n'est-ce pas, réprimés. Et c'est pour ça, je félicite et suis d'accord à ce que les gens se réunissent, n'est-ce pas, pour aller contre, n'est-ce pas, ce qui se fait en termes, n'est-ce pas, de liberté et de liberté d'expression, de liberté de la suite. Merci. On passe de l'autre côté. Deux minutes. Merci, monsieur le journaliste. Moi, c'est monsieur Assawadio Télé-Léopold, enseignant au poste au CG littoral autonome. Moi, je constate après les débats que c'est du même au même. On reprend toujours avec les mêmes stratégies de déstabilisation des régimes en place. Nous avons vu le même cas avec Nsi Fosu-Glo, le même cas avec Yahya Boni. Et si on prend le volet violation des régimes et des décisions de la Cour constitutionnelle ou cette rencontre, je vais vous dire que ce n'est pas l'apanage de ce gouvernement. Tous les gouvernements en ont fait. Et j'aimerais lancer un appel aux dirigeants de ce pays. Une heure n'est plus au discours. Ils devaient s'entendre pour pouvoir développer ce pays. J'en ai fini. Ah, merci, monsieur Assopadjo, qui a vraiment respecté les deux minutes d'intervention. Nous y tenons beaucoup, parce que, vous voyez, les invités principaux, ils ont encore beaucoup de choses à dire. Mais vous aussi, vous êtes là pour vous exprimer. Merci, monsieur le journaliste. Merci, chers invités. Moi, on m'appelle Pline Divano Godono. Je suis membre de l'USL. Au lieu de faire peut-être une conclusion, j'ai des questions très pertinentes à poser à M. David, qui parlait tout à l'heure, M. Giraldo l'a rappelé. Pourquoi installer les membres de la COSLEPI au moment où la commission du RAVIP travaille? Moi, je voudrais avoir plus de précision. Si c'est avec RAVIP, on va aux élections, parce qu'aujourd'hui, c'est la question que la population se pose.
Deuxième question, parlons de l'espace. Monsieur Davis disait tout à l'heure, pourquoi l'organiser à Djeffa? Est-ce que si ce regroupement devait être fait sur un lieu public, est-ce qu'on peut obtenir l'espace facilement? Ça, c'est encore une préoccupation. Ma dernière préoccupation s'adresse à monsieur le directeur de la Loterie Nationale. Monsieur... Nous l'avons invité en tant qu'ancien ministre de la Communication. Okay. N'entrez pas dans les querelles entre monsieur Gaston Zoussou et monsieur Bruno Vito Topanou. Voilà. Monsieur Gaston Zoussou parlait tout à l'heure de l'affumage. Moi, je voudrais comprendre. Celui qui utilise le mot affumage et... Enfumage. Enfumage, pardon, excusez-moi. Et un Minix qui est en fonction, qui utilise le mot ruche et rage, qui serait normalement, qui devait être normalement... Qu'est-ce qui est plus dangereux? Dangereux. Merci beaucoup, on vous a aidé. Merci. Merci. On passe de l'autre côté. Okay. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci, mes chers invités. Moi, c'est Emmanuel Avlissi. Je viens de la commune de Sébécoudi. Et ce qui nous unissent tous, c'est notre pays, c'est le Bénin. Moi, de loin, concernant la violation, de la Constitution, moi, je pense que quel président dans ce pays n'a pas violé la Constitution? Et chaque fois, il faut revenir sur ça. Moi, je pense qu'il faut chercher les failles de la Constitution. Corriger les failles de la Constitution et au lieu d'aller chaque fois à la violation de la Constitution, Ma deuxième question, Post-Lépi, notre pays a une économie limitée. Et moi, je me demande à quoi sert un Post-Lépi en 2017 s'il n'y a pas les élections. Et ma troisième question, projet de société d'un président. Je dis, à quoi sert un projet de société d'un président si chaque fois il faut revenir sur cette politique-là que nous menons dans le pays, soutenir un candidat et après retirer derrière ce candidat pour aller former un bloc. Vraiment, ça, la démocratie, il faut qu'on pense autrement et que la politique de notre pays, qu'on pense à mener la politique autrement. Vous soutenez un chef, soutenez-le dans ses actions, laissez-le terminer son temps et appréciez-le à la fin. Merci beaucoup, c'est Emmanuel Avlissi. Merci, monsieur Avlissi. On passe... dans la rangée. Bonjour, c'est M. Gilbert Cotter, je suis juriste de formation et communicateur. Moi, je voudrais surtout m'appesantir un peu sur l'aspect assise nationale. Comme vous l'avez rappelé, on l'a constaté, à chaque régime, que ce soit contre Ségolo, Kédoukou et Yahi Boni, on a toujours remarqué qu'il y a un problème. Moi, je voudrais inviter les intérêts de ce pays à réfléchir sérieusement pour qu'on comprenne, pour qu'on sache réellement qu'est-ce est la base souvent de ces conflits que nous observons. Parce que c'est extrêmement important. Après 25 ans pratiquement de démocratie, et quand je vois mon professeur Topanou, tout ce temps, tout ce qu'on disait dans l'enfant, ce temps-là, j'imagine que nous devons quand même avoir un pays de stable politiquement et qui peut amorcer son développement économique aujourd'hui. Mais nous remarquons souvent que chaque fois qu'il y a deux ans de régime, il y a toujours des crises. Posons-nous la question, qu'est-ce qui se passe? Je me rappelle bien que le président Essessou l'avait dit, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais je me battrai pour que tu puisses t'exprimer. Et je voudrais inviter nos amis à comprendre que s'il y a Djeffa, fondamentalement, peut-être qu'il y a un problème. Et que ceux qui sont des gouvernants aujourd'hui, moi, je les invite alors à tendre les oreilles pour que cela ne soit pas nécessairement une lecture politique, mais une invitation certainement à... Celui qui est dans l'action, celui qui est dans le feu de l'action, le temps passe, parce qu'à chaque fois, vous faites des relances. Peut ne pas savoir qu'il commet des erreurs. Donc, chaque fois que des voix s'élèvent, que nous puissions lié à travers ou au-delà de ceux qui s'expriment pour que les vraies questions soient abordées. Merci. Merci. Je rappelle que chaque membre du public nous a d'abord écrit et a été rappelé. Et quand nous avons appelé ceux qui nous ont écrit, nous avons demandé à chacun, est-ce que vous êtes du côté de l'opposition ou de la mouvance?
Donc c'est en tenant compte des déclarations que vous nous avez faites que nous vous avons disposé de cette manière sur le plateau. Ici, c'est la mouvance. Ici, c'est l'opposition. C'est un débat qui doit être équilibré. Je rappelle ça pour que du côté de l'opposition, il n'y ait pas des interventions tendant à être favorables à la mouvance. C'est très important pour consolider l'équilibre du plateau. Merci beaucoup. Vous avez fini ? Merci, monsieur le journaliste. Merci, le public. C'est madame Diossa Constance. Je travaille à la D, bien sûr. Pour la coalition de Djefa, j'ai suivi, mais moi, je suis un peu gêné pour mon pays. Et je demande à nos hommes politiques de changer un peu de mentalité. Nous avons une politique au Bénin basée sur des intérêts. Jusqu'à présent, je respecte bien mon pays, mais tout ce que le président fait jusqu'à présent, soyons honnêtes. Mon président, Pakistan, travaille pour notre pays. Moi, j'ai dit, il y a beaucoup de changements. Quand on dit qu'il n'y a pas de l'argent dans le pays, il n'y a pas de l'argent dans le pays, les Français n'ont pas de salaire. Nous avons de salaire. Qu'est-ce qui manque parce qu'il veut économiser pour notre pays? Il pose des actes concrets. Prenons simplement le cas des routes qui sont faites dans notre pays. Vous coûtez contourner maintenant pour l'eau, ça, vous allez voir la voie inter-État. Notre Womé, on n'a jamais eu le point. Il y a des présidents qui sont passés depuis des années. On n'a jamais eu de changement. Mais maintenant, tout ça est en effet. Il y a beaucoup de choses qu'on peut passer. La cantine scolaire. On a dit qu'un président qui fait des cantines qui pense à l'éducation des enfants à la base dans nos villages, le travail pour notre pays, il faut aller dans les congrégés pour voir comment nos paysans souffrent. Mais il fait tout ça là pour le pays. Il y a beaucoup de choses. Je ne sais pas si c'est pas seulement 2 minutes. Je dis que mon président travaille. Il faut que nos hommes politiques changent de mentalité pour qu'on ait une politique constructive et non une politique basée sur des intérêts personnels surtout. Sur des intérêts personnels. Pour qu'on ait une politique qui est basée sur des intérêts publics. Pas seulement sur des intérêts privés. Merci. 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 Bonjour, chers amis. Monsieur Bonjour, Anani. Chers invités. Monsieur Georges Anani. Oui. Je suis directeur d'entreprise. Alors, dans les interventions, moi, je voudrais poser juste une seule question à monsieur Roch David Nyaoui. Parce que je suis inquiet. Il a parlé très rapidement du RAVIP. Et à l'entendre, c'est à croire que, de façon subtile, le gouvernement aurait amené le RAVIP pour que nous fassions les élections prochaines avec. Le COSLEPI va être installé parce que l'Assemblée nationale a déjà désigné les membres qui vont y siéger. Alors je voudrais qu'ils nous disent sincèrement si le gouvernement est prêt à respecter une fois encore les décisions de la Cour constitutionnelle. Parce que la Cour a dit jusqu'en 2021, il n'est pas question qu'on utilise autre chose que la liste électorale permanente informatisée. Qui nous disent clairement, parce qu'on peut, installer le COSLEPI, mais on peut l'empêcher de fonctionner si on ne lui donne pas de budget. Parce que la mode ici, c'est de dire le gouvernement veut faire des économies, on ne veut pas débloquer de l'argent, le pays est en difficulté et on met en difficulté les institutions chargées de jouer leur rôle. Je voudrais qu'ils nous disent ici si le gouvernement est prêt à respecter une fois encore cette décision. J'espère qu'il a compris votre question. On passe maintenant à gauche. Je vous remercie. Je remercie le plateau, je remercie le public, je remercie les téléspectateurs. On m'appelle Ezekias Lissassi, ingénieur génie civil. Et je crois que si Patrice Talon n'existait pas, il fallait aller le chercher. Je le dis en toute responsabilité, en toute honnêteté. Et je voudrais interpeller à partir de ce plateau la jeunesse béninoise. Nous n'allons plus nous faire tromper. Je crois que c'est fini. En 96, j'avais voté pour la deuxième fois dans ma vie. Et les mêmes personnes m'ont dit, Sougo n'est pas bon. Les intellectuels n'en voulons plus. Les mêmes personnes viennent nous dire aujourd'hui, quand je vois Djefa, ceux-là qui nous ont empêchés d'avoir un Soglo aller au bout de ses idées, au bout de ses actions. Je crois que le peuple béninois n'a plus besoin de ça. La jeunesse béninoise n'a plus besoin de ça. Ne tergiversons pas sur des mots. L'épi, Ravip. Je crois qu'il faut prendre l'homme
la sincérité, honnêtement parlant, est-ce que nous ne sommes pas en train de voir, est-ce que nous ne constatons pas que le pays bouge? Je voudrais inviter mes chers professeurs, vous êtes au Potopano, à venir soutenir, à constater. Ne mettons pas la peur dans le peuple. Non, on n'en a pas besoin. Ce dont nous avons besoin, c'est d'accompagner. Ce qui est bon, soutenons, disons-le. Merci beaucoup. Merci. On repart à droite. Tougan Marcel, on m'appelle. Tougan Marcel. Ah, monsieur Tougan Marcel. Oui. Ok, vous avez 2 minutes. Je suis déclaré en bonne. Oui. Bon, je vais dire bonjour. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Je vais dire bonjour aux chers téléspectateurs et chers invités aussi. Ce qui est important ici, moi j'ai vu qu'on n'a pas, on n'a pas discuté de ça parce que la coalition a parlé de la gestion opaque du pays et le non-respect des décisions de justice, par exemple. Si nous parlons de comment l'appelle-t-on l'opacité de la gestion du pays, ou si je reviens au non-respect du décision de justice, tout à l'heure le ministre Zosu n'a pas pu se défendre par rapport aux questions du ministre Topano. Et aussi le professeur David n'a pas pu se défendre. C'est ce que moi j'ai constaté. Parce que quand moi je vois que quand la décision intéresse le gouvernement, là il s'en sort, il utilise cette décision. Si vous prenez par exemple l'avènement du gouvernement de la rupture, il y avait deux décisions non appliquées, par exemple, qui avaient rapport au PVI et puis à Sodeco. Et juste après l'arrivée du gouvernement, il me semble qu'on aurait appris que cette décision ont été exécutées. Et ça nous a coûté combien? On aurait appris, c'est le genre d'expression qui n'est pas, qu'on n'admet pas ici. Vous dites ce dont vous avez les preuves, mais là ce n'est pas encore bien grave parce que nous vous suivons. Oui, on aurait appris. Justement, vous, ne rapportez pas ce que vous auriez appris, rapportez-nous ce que vous savez, ce affirmé. Et soyez en mesure après d'aller défendre ce que vous avez affirmé. Allez-y, terminez. De toute façon, on aurait appris que... Maintenant, il y a d'autres décisions antérieures. Il y a des sociétés qui ont gagné aussi des procès contre notre État. Quel est le sort qui leur est réservé? Est-ce que cette décision a été exécutée ou pas? Dites-le nous. Ça fait partie du problème de la population béninoise. Je pense que prochainement, on va inviter sur ce plateau le ministre garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation. Il sera très bien placé pour répondre à vos préoccupations. On passe à gauche pour la dernière intervention à gauche. Merci. Merci, monsieur Rachidi. Moi, c'est Cédric Seignonan. Je suis statisticien. Monsieur Ojo. Rachidi Ojo. Merci. Ok. Je pense que la situation, elle est très pertinente et le débat aussi est très pertinent. Ce qu'on a vu à Djeffa, franchement parlant, il faut aller au niveau de la genèse de ce mouvement, de cette opposition. D'abord, moi personnellement, j'ai vu des hommes qui étaient jusqu'à un instant T avec le président Patrice Talon, un instant T plus 1, ne sont plus là. J'ai vu des hommes qui sentaient ou bien qui se sentent redevables vis-à-vis d'un ex-président. J'ai vu des hommes qui voient aujourd'hui que leur intérêt est menacé, que leur fils prime au-delà du développement d'une commune. Et de là, je me pose des questions. Cette opposition est purement et simplement basée sur des intérêts individuels. Et cela s'illustre déjà à travers les différentes actions qu'ils sont en train de mettre en place. Et parlant de la violation de la Constitution, le travail que Patrice Talon fait, c'est un travail formidable. Avouons-le. Et ayons le courage de le dire. Premièrement, est-ce qu'on entend dans la Cour constitutionnelle
a décidé de cadrer le droit de grève, ce qui a été voté à l'Assemblée, est-ce que ça n'a pas été fait? Mais on aurait dû laisser, c'est vrai que la décision de la Cour sont sans recours, mais on aurait dû laisser cette décision passer pour ne plus répéter ou pour ne plus tomber dans les mêmes erreurs que nous avions tout le temps commis et que nous nous reprochons nous-mêmes sans trouver des solutions adéquates. Là, c'est très pertinent. Il y a encore d'autres choses, plusieurs d'autres choses, que si vous nous donnez l'opportunité, nous allons revenir là-dessus. Par exemple, le programme d'action du gouvernement, Monsieur Odjo. Secondant. Oui. Le programme d'action du gouvernement. Je vous dis, c'est un programme essentiel. Entre-temps, nos gouvernants, tout le temps, utilisaient des actions ou bien toute situation était presque conjoncturelle pour les gouvernants passés. Et on ne savait pas là où on va. À cet instant, le programme d'action du gouvernement est décliné en programme sectoriel au niveau de chaque ministère. Vous n'avez pas le temps de détailler, hein, parce que là, je vous vois en train de détailler. Okay. Merci. Mais merci. Je pense que... Hein? D'accord, merci beaucoup. Vous n'aurez pas le temps vraiment de détailler le programme d'action du gouvernement. On a compris l'esprit de votre intervention. On a compris... On a compris l'intervention de votre intervention. Vous n'avez pas la parole, cher ami. Merci beaucoup. Merci, monsieur Seyona. La dernière intervention dans le public, c'est madame Elvie Boukor. Elvie Boukor. Voilà, nous vous avons appelé. Je suis dans le commerce. Oui, merci. Merci, le public. Moi, j'aimerais parler à propos de... Vraiment, c'est vraiment déplorable ce qui se passe dans ce pays. Parce que... Tout d'abord, j'aimerais parler à propos des... cassures qui ont été effectuées dans les marchés et villes de Cotonou. C'est vraiment bien beau de casser. Mais la solution est où? Ces femmes qui ont été chassées de leurs boutiques, des marchés, sont actuellement dans leur maison. Elles ont perdu leur commerce comme ça. Il n'y a pas de solution. Les enfants sont renvoyés des écoles, les enfants sont à la maison. Mais vraiment, l'État n'a qu'à trouver une solution pour ces femmes qui sont à la maison. Parce que c'est déplorable. Ces femmes souffrent, essayent au fond de leur cœur. L'État n'a qu'à vraiment trouver une solution pour ces femmes-là. Est-ce qu'il y a autre chose? Vous avez d'autres choses à dire? Parce que j'ai encore à propos aussi des grèves. Oui. L'État n'a qu'à trouver une solution pour nos enfants qui sont à la maison. Surtout ceux qui vont à l'examen. Okay. Les enfants sont à la maison. Ils sont livrés à eux-mêmes. Ils ne font que se promener. Mais pourtant, ceux qui sont dans les privés, eux, ils continuent les cours normalement. Mais les autres, ils sont livrés à eux-mêmes. Ils ne font que se promener dans les rues. Vraiment. L'État n'a qu'à nous trouver une solution. Merci. Merci, chère dame, pour votre courage. Merci à tous les auteurs des interventions qui nous sont venues du public. Retour sur ce plateau pour retrouver nos différents invités. Alors, nous avons encore 25 minutes. Il y a certains invités qui ont été interpellés par le public à travers des questions. Nous allons faire un tour de table. Vous répondez aux questions qui vous sont posées. Si vous n'avez pas, s'il n'y a pas d'interpellation vous concernant venant du public, vous pouvez nous permettre d'économiser quelques minutes parce que la dernière partie de cette émission va être consacrée aux pleurs de l'ancien président Boniaï au cours donc de la rencontre du 14 avril 2018. Il faut qu'on puisse quand même vous demander quel est le sens que vous donnez à ces pleurs au-delà des justifications que lui-même il en a données. Alassane Sani. Oui, on commence déjà par Gaston Zoussou. Pour les questions qui vous sont posées, hein, juste les répondre au public. Hein. C'est vrai que les questions sont beaucoup plus orientées. Les questions ne sont pas adressées aux personnes. Les questions sont des questions de fond. Des sentiments sincères et forts qui sont vécus par les uns et les autres. Quand on parle de grève, il y a chez nous aujourd'hui des partis politiques qui étaient à la fameuse réunion qui ont la branche syndicale. Et la particularité de ces syndicales-là, c'est de pouvoir faire des motions de grève, mais qu'on ne lève jamais.
Leur vocation, c'est l'insurrection générale armée. Moi, j'ai dit ici, moi, j'ai parlé de tuerie, j'ai parlé de fusillade, mais on m'a parlé de positionnement de couleur de drapeau. On n'est pas dans le même débat. Moi, je considère qu'on est à la tâche, on est concentré. Aujourd'hui, au concours, c'est 200 postulants pour un poste. Monsieur Zossou, la prise de parole, vous avez la parole, c'est pour répondre à des questions. S'il y a eu des questions venant du public, Je voudrais parler de grève. Oui. Il sera très difficile de finir avec les grèves si on n'en convient pas avec ceux qui les organisent. Alors, ce que nous pouvons vous dire, vous aurez le temps de conclusion et à cette occasion, vous pourrez dire ce que vous avez à dire par rapport à la grève. On en parlait dans le fumage. Voilà, ça par exemple. Alors, est-ce que ce n'est pas moins grave qu'un ministre du gouvernement que vous soutenez parle de ruse et de rage? Moi-même qui reviens dessus. Oui. Si M. Diabenou avait eu la présence d'esprit d'en dire beaucoup, 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 beaucoup de ce genre-là, on lui aurait collé la paix. La manière dont on s'accroche à un seul propos montre bien qu'on est en indigence d'idées et d'attaques. Et moi, j'ai fini avec cette affaire de ruse et de rage, pour ma part. Mais celui qui dit enfumé, il dit délibérément. Les abeilles sont à la tâche, construisent, font le nectar pour alimenter. Moi, je mets la fumée, je distrais. Le top de l'enfumage, c'est ce qui s'est passé là. Il faut arrêter avec l'enfumage et laisser travailler celui qui a la tâche. Il y en a qui cherchent l'emploi comme le Graal, comme le Saint des Saints. Il ne faut pas que ceux qui sont rassasiés et débordés nous distraient. Nous sommes aujourd'hui repus de leur discours et de leur recyclage qui ne finit pas. Gaston Zossou, merci. Monsieur David, alors, un membre du public vous a demandé si vous allez respecter la décision de la Cour constitutionnelle qui dit que jusqu'en 2021, c'est la LEPI qu'il faut pour toute élection au Bénin, parce que vous avez fait allusion au RAVIB qui pourrait être utilisé pour les élections si entre-temps vous n'avez pas été mal compris. Alors, je voudrais quand même, permettez-moi de revenir sur quelque chose de précis, parce que M. Gomez l'a dit tout à l'heure, M. Niaoui, président de parti politique, à propos des grèves, a fait sortir un communiqué pour dire, ben voilà, il faut arrêter, sinon vous sortez. Vous êtes exclu de du parti politique. Monsieur David, asseyez-vous correctement ou il y a un problème avec... Voilà. Ok. Très bien. Oui. Alors, bon. Mais il y a toujours un problème d'interprétation, c'est pas grave. Ce que j'ai dit, c'était clair. Vous faites la grève, c'est votre droit. Vous êtes sympathisant ou membre de notre parti politique, vous faites la grève, c'est votre droit. Mais ne venez pas, au cas où il y aurait sanction, ne venez pas nous dire que votre appartenance au parti politique justifierait alors que qu'on ne vous applique pas des sanctions. C'était un peu ça. On m'a taxé de briseur de grève, j'ai accepté de prendre ça sur moi et j'ai dit je préfère être briseur de grève que d'être briseur de vie des gens qui meurent dans les hôpitaux, des études, des enfants qui ne vont pas à l'école, etc. Bref, sur la question du RAVIB. Le RAVIB, c'est une base de données. La LEPI, c'est également une base de données. Et si on va chercher, on va faire l'audit de la LEPI aujourd'hui, vous allez constater qu'il n'y a rien. Il n'y a strictement rien. Et cette LEPI, par ailleurs, doit être actualisée. Parce qu'il y a des gens qui sont en âge de voter qu'il faut intégrer. Est-ce que alors, vous allez respecter la décision de la Cour constitutionnelle concernant la LEPI? Je voudrais vous dire que le croisement du RAVIB et de la LEPI peut donner une liste fiable pour aller aux élections. C'est une manière de dire. Merci. Alors, monsieur Gomez, est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Gomez, aussi bien que vous avez eu à rappeler aux autres tout à l'heure de ne pas vous interrompre, il va être aussi bien que vous n'interrompez pas les autres. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions vous concernant venant du public? Il y a une question, monsieur Diou, à laquelle je n'ai pas encore répondu. Allez-y parce rapidement. Qu'on va parler de l'espace. C'était par rapport à la qualification de cette coalition. Je disais que si c'était une coalition apolitique, donc l'espace que je n'envisage pas comme espace matériel n'était pas approprié. Je parlais de l'espace intellectuel. Il faut du moins aller à un séminaire ou à un colloque. C'était ce que je disais. Non, c'est pas l'espace géographique. Non, pas du tout. Oui, la coalition, il faut la rappeler. Il faut le rappeler ce que c'est. C'est pour répondre à des questions. Qui ont été évoquées. La coalition n'est pas une opposition à un homme ou à un régime. Ce n'est pas le rassemblement de gens qui étaient avec le président de la République hier et qui, pour des raisons
des intérêts personnels, il paraît, se seraient retrouvés. Mais dans le même temps, sur le plateau, vous avez nos charmants contradicteurs qui sont en face, qui ont démontré que ces personnes n'ont rien en commun. Alors, des intérêts personnels qui se mettent ensemble, je voudrais comprendre la cohérence. Il faudrait qu'on arrive à se poser. Et même s'il y avait que des intérêts personnels, je pense qu'ils devaient être beaucoup plus sereins, parce que des intérêts communs, personnels, ne font jamais florès ensemble. Donc ils devraient être sereins. Très bientôt, s'il n'y avait que des intérêts personnels, cette affaire connaîtra une fin. Mais s'il y a autant de gesticulations, c'est parce qu'ils savent au fond d'eux-mêmes qu'il y a plus que ça. Que ce sont les principes qui sont bafoués, qui sont rappelés. Vous l'avez déjà dit, M. Gomez. Et il faut le rappeler. Vous aurez encore la parole tout à l'heure. Ça va être pour la dernière fois avant de quitter ce plateau. Victor Topanou, est-ce qu'il y a des questions vous concernant? Je ne pense pas. Si, il y a l'ingénieur civil qui m'a quasiment interpellé. Oui, bon, elle a dit, vous, professeur, est-ce que vous n'avez... Est-ce que c'est pas bien? En fait, je voulais profiter de l'occasion pour faire une réponse d'ordre général. Je pense que quand j'ai écouté ce que vous avez étiqueté proche de la mouvance, ça m'a conforté dans le besoin, mais tout à fait pédagogique, hein, sans aucune arrière-pensée autre que celle-là, qu'il y a souvent des différences de conception de la démocratie, et qui parfois, lorsque ces différences entrent en conflit, créent des situations de violence. Soyez tranquille, une démocratie, on a fait ce choix depuis 90. Et ce choix suppose quoi? Qu'il y ait une majorité qui gouverne, une minorité qui s'oppose. Mais pourquoi à chaque fois vous faites une attaque personnelle parce que des gens se seraient regroupés pour porter une contradiction à l'action de votre champion? Au contraire, vous devriez pouvoir avoir des éléments de conviction, de persuasion, et expliquer aux populations que ce que le chef fait est prévu. Moi, je crois que c'est la conception de la démocratie qui est parfois biaisée. Il ne faut y trouver... Jeffard, c'est pas une question de personne. Non, merci. Vous comprenez? Non. Si on s'entend là-dessus, ce serait très bien. Ce qu'il faut plutôt faire, on va commencer la dernière partie avec vous, docteur Patrick Reynaud. Alors, lorsqu'un ancien président de la République en arrive à aller pleurer chez son ancien adversaire politique, quel est le sens que vous pouvez donner à ces larmes, vous, en tant qu'analyste politique? Allusion faite aux pleurs de l'ancien président Bouniaï à Djeffar après la rencontre de la coalition pour la défense de la démocratie. Vous me permettrez de répondre à un certain nombre de questions. Non, vous ne pouvez pas. Avant d'en arriver le temps, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas, on n'en a pas le temps. Je vous en prie, s'il vous plaît, on n'en aura pas le temps, je vous en prie. Il faut parler des pleurs de l'ancien président Bouniaï. Je vous en prie. Merci beaucoup. Et puis on fait le tour. Hein. Il faut quand même comprendre, cerner les contours du personnage. L'ancien président Thomas Boni Yayi est dans son registre. Il est dans son registre. Les pleurs signifient ou signifieraient la manifestation peut-être d'un regret, comme elles peuvent signifier l'envie de revenir d'une manière ou d'une autre aux affaires. Et lorsque je disais tout à l'heure que il faut comprendre, cerner le contour du personnage, vous savez très bien le registre dans lequel a évolué tout le temps le président Thomas Boni Yayi. C'est un homme d'émotion. Et donc, c'est vite arrivé qu'il verse quelques larmes. C'est vite arrivé. Et donc, ne pas comprendre le sens de ces larmes, c'est ne pas cerner le contour du personnage. D'accord. Que constitue, n'est-ce pas, Thomas Boni Yayi? Geraldo Gomez, le 14 avril dernier, l'ancien président Boni Yayi a eu à pleurer. Il a dit lui-même que ce n'était pas une comédie, que c'était des larmes sincères. Vous, quelle explication vous donnez à ces pleurs, hein? Écoutez,
écoutez, je suis un peu abasourdi par le sujet lui-même, vu l'importance des autres sujets évoqués jusque-là, que vous réserviez même une minute aux pleurs du président Boni Yayi, cela me surprend. Mais en même temps, dans votre question, vous donnez la réponse que lui-même a déjà donnée. Un des invités dans le public tout à l'heure posait une question sur le ministre de la Justice. Vous avez prévu l'inviter, monsieur Yayi Boni, et posez-lui la question. Pour nous, ce n'est pas l'essentiel. Non, quelle explication L'ancien président Boni a dit que ce sont les signes d'une honte, d'un regret et une alerte face au drame qui nous guette sans le consensus du processus électoral en cours. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment ça? Vous êtes libre de répondre à la question. Je vous dis justement que je ne suis pas à sa place. Moi, nous posons des questions que vous n'avez pas pleuré. Je n'ai pas pleuré ce jour-là. Il m'arrive de pleurer dans d'autres circonstances. Et un de vos invités dans le public a dit tout à l'heure que c'est heureux que ce débat-là se tienne aujourd'hui. Je pense que si vous avez la possibilité d'inviter Yayi Boni sur ce plateau, ce sera un événement. Ça se fera. De votre grand débat, c'est pour tout le monde. Donc invitez-le, il s'en est. Monsieur David, les pleurs de l'ancien président Boni Yayi, ces pleurs, qu'est-ce qu'elles représentent pour vous? Alors, moi, je dirais tout simplement que ceux qui ont l'habitude de pleurer trop souvent oublient ce pourquoi ils pleurent. Donc à partir de ce moment, il n'y a pas de débat. Merci. Oui, Victor Topano, vous avez vécu en direct, ce que je vais appeler événement. Qu'est-ce que ça vous dit? On peut ne pas répondre à cette question. Alors Gaston Zosso, les pleurs de l'ancien président Boni Yayi, vous avez beaucoup fait allusion à ses actions, à ses propos, à ses comportements tout au long de cette émission. Vous devriez avoir quelque chose à dire, tout au moins vous. Merci beaucoup. Moi j'ai vu une personne qui a guetté les caméras et qui a pleuré face aux caméras. J'ai vu un communicant dans la malice, dans la manipulation. Et le ciel nous préserve. Merci. Docteur Patrick Anou, votre conclusion. C'est le tour des conclusions maintenant. C'est le moment des conclusions. Docteur Patrick Anou, président Victor Topano, Géraldo Gomez, David Roch, David, et puis Gaston Zosso. Le débat a commencé avec M. Zosso, on doit pouvoir le terminer de notre côté. Ah, il n'y a pas de problème. Merci. Il n'y a aucun problème pour ça. Oui, bon. C'est M. Victor Topano qui a répondu à la question. Excusez-moi, autant pour moi. Alternez plutôt. Alors, vous voyez, M. Gomez, c'est comme si vous êtes venu sur ce plateau en disant, écoutez, ces messieurs, on parle de l'alternance. Je parle de l'alternance. Franchement, je parle de l'alternance. Prochainement, on peut vous laisser notre place si ça vous dit. Je vous trouve dans une place assez curieuse. Ah, merci beaucoup. Merci donc, docteur Patrick Anou, président Victor Topano, Géraldo Gomez, David Dionhuy et Gaston Zosso pour finir. Au terme donc de cette émission, je voudrais quand même rappeler que la démocratie n'est pas absence de conflit. Ça, c'est une première remarque qu'il faut faire. Et les conflits, en réalité, sont consubstantiels à la démocratie elle-même. Deuxième chose, il est important de permettre aux citoyens de s'exprimer, d'avoir voix au chapitre et donc de participer à l'animation du jeu démocratique. Troisième chose, il est important de considérer que la parole des opposants joue un rôle régulateur dans l'exercice du pouvoir. Mais il faut une parole responsable. Il faut l'énonciation d'un discours responsable pour que le jeu démocratique puisse se jouer. Quatrième niveau d'intervention, il reviendra, n'est-ce pas, aux citoyens électeurs de départager les acteurs le moment venu. En quoi faisant? En exprimant simplement leur droit de vote. Et ce droit de vote peut être considéré comme ce que certains auteurs appellent le paper stones, c'est-à-dire la pierre de papier, qui peut frapper plus fort que la pierre jetée dans la rue en guise de protestation. Et donc, il revient, de mon point de vue, aux acteurs, aux citoyens électeurs, d'être suffisamment éveillés pour clarifier le jeu
le moment venu. Merci beaucoup. Victor Tocqueno, votre mot. Écoutez, moi je voudrais vous remercier d'avoir fait de cette émission une émission entièrement consacrée à Diefa. Ça veut dire que c'était important de l'avoir fait. Il y a plein d'événements politiques qui passent inaperçus, pour lesquels vous n'organisez pas des émissions aussi importantes. Donc moi je m'en réjouis. Je m'en réjouis d'autant plus que les résultats poursuivis ont été obtenus. C'est-à-dire qu'aussitôt après Diefa... Est-ce que vous voulez souligner, le grand débat a commencé le 4 mars, hein, donc au plus aucun événement important ne passera inaperçu pour cette émission. Très bien. C'est une promesse. Non, mais merci. Je suis davantage rassuré que vous ayez considéré ça comme un événement important. Voilà. Certains avaient considéré que ça n'était pas important, mais je vous remercie. Mais ce que je veux dire, c'est que ceux qui étaient à Diefa ont le sourire aux lèvres aujourd'hui. Parce qu'il a fallu Diefa. Les députés peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais ils ont désigné les membres du COSLEPI seulement après Diefa, alors que la décision existait depuis le mois de décembre. Pour nous, c'est une très bonne chose. Et je voudrais rassurer les Béninois que s'il faut recommencer Diefa 50 fois, parce qu'il y a des problèmes importants de la société que l'on ne traite pas, ils auront Diefa 50 fois. Et tout ça participe, c'est ce que disait tout à l'heure M. David, participe de la vitalité de notre démocratie. Et je me réjouis que certains, au moins, du côté du gouvernement, l'aient compris. L'aient compris. Et je finirai peut-être par rappeler aux uns et aux autres l'esprit de la différence. En démocratie, il faut accepter les critiques. En démocratie, il faut considérer que tout le monde ne peut pas penser la même chose. Et donc, quand on a fini par l'intégrer, ça apaise les mœurs. On met sur le coup de la différence, de la pluralité de l'opinion, ce que les autres pensent. Et je pense que c'est peut-être sur ce plan-là qu'il faudra travailler davantage encore dans notre société. Je vous remercie. Merci à vous, Géraldo Gomez. Votre conclusion. Merci. Merci aussi pour l'invitation, notamment pour représenter l'USL sur ce plateau. Malgré quelques petits mots qu'on s'est ajoutés, ça fait partie du débat. Oh non, ça fait beaucoup de plaisir. Je sais très bien. Toujours représenté. Hein. Merci infiniment. Cas, donc, merci beaucoup. Quand un sujet concerne le parti sera représenté. Et on sera toujours présent si vous nous invitez. Merci oui. encore. Donc, je voudrais vous remercier pour avoir considéré, comme l'a dit le professeur Tocqueno à l'instant, la coalition pour la défense et la démocratie et la réunion qui s'est tenue à Diefa comme un événement important de notre vie politique. Ce qui a été en cause, c'est de parler de nos institutions, c'est de parler de nos principes. La personne du président Patrice Talon n'est pas en cause. C'est l'institution qu'incarne M. Patrice Talon qui est en cause. Ce sont les fonctions qui sont liées à cette institution qui sont en cause. Ce sont les prérogatives qui sont liées à cette institution qui sont rappelées pour qu'elles soient exercées. Pour l'intérêt général, justement. C'est cela l'objet rappelé par Diefa pour dire que nous sommes dans un contexte politique, économique et social très difficile et qu'il est important pour tous les acteurs de la vie politique de prendre leurs responsabilités pour que le pays se sente mieux. Il nous faut plus de justice sociale et pour que nous sauvegardions cela, il faut que le contexte politique et notamment des élections. Parce que les trois prochaines années sont des années électorales, il nous faut les négocier dans la paix et dans la quiétude, et cela relève de la responsabilité première du président de la République. C'est cela que l'appel de Diefa a rappelé. Rakonyavi David. Merci. Je suis heureux de savoir qu'il y a contradiction sur ce plateau et sur cette question centrale. Vous avez d'ailleurs dit, Diefa, est-ce une opposition de principe ou une opposition de raison ? On n'a même pas touché à ça, c'est pas grave. Alors, ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous sépare ou qui nous divise. C'est le Bénin qui nous unit. Et le Bénin, c'est le seul pays que nous ayons, en tout cas que moi j'ai. Et je dois le défendre. Je dois contribuer à son développement. Ce qui nous divise, c'est la politique. Oui, chacun peut penser dans un ordre déterminé. Chacun a ses idées. Mais nous devons toujours savoir que quelque part, l'opposition de principe ne tient pas. L'opposition de raison ne tient pas. Il nous faut plutôt une opposition constructive. Je vous remercie. Gaston Rousseau, on termine avec vous. Merci beaucoup. Le pire, c'est l'opposition des intérêts individuels égoïstes menacés. Moi, je voudrais dire,
qu'aujourd'hui, nous sommes face à des difficultés réelles, des difficultés de vie, l'emploi, la satisfaction même des besoins biologiques immédiats. Ceux qui ont les moyens, ceux qui ont les circuits pour nous aider à remettre les enseignants au travail, qu'ils le fassent vite. Je voudrais supplier les gens de politique ou les personnes qui aspirent à nous diriger à comprendre que la démocratie a un rythme. Sa cadence, ce sont les élections. Il faut mieux vivre de façon stoïque et dans la dignité, l'attente. Celui qui parle humblement sort de 10 années d'opposition. Ça, ça vale. On ne pleurniche pas et on ne complote pas. Merci beaucoup. Que Dieu fortifie notre pays. Merci à vous, Gaston Zosso, ancien ministre de la Communication. Directeur général de la Loterie. Ah, si. Directeur général de la Loterie Nationale du Bénin. Roch Nyaoui, David. Oui. Rien que ça. Roch Nyaoui, David, agrégé de droit privé, président du Parti Alternative Citoyenne. Merci d'avoir participé à cette émission. Prudent Victor Topano, maître de conférence de sciences politiques, personnalité, membre de la coalition pour la défense de la démocratie au Bénin. Merci très sincèrement à vous d'être venu à nous. C'est moi qui vous le remercie. Géraldo Gomez, secrétaire général adjoint chargé des questions stratégiques de l'USL, Union sociale libérale. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Encore merci. Et merci pour la bonne ambiance. Hein. Merci beaucoup à vous. Docteur Patrick Renaud, ancien chercheur à l'Université d'Abomey-Calavi, département de sociologie et anthropologie, spécialiste de sociologie politique. Merci de votre éclairage. C'est moi qui vous remercie. Voilà, chers amis du public, merci de votre participation de qualité à cette émission. Est-ce que vous pourrez applaudir une fois encore très très fort pour vous-même? Merci. C'est donc la fin de ce 5e numéro de l'émission Le Grand Débat sur Golf TV Africa et Golf FM Africa. Vous le savez déjà, à partir du prochain numéro, cette émission change de nom et d'heure. Cette émission devient La Grande Contradiction. La Grande Contradiction et va démarrer tous les dimanches à partir de 18h. C'est vrai, le nom change, l'heure change, mais les principes restent les mêmes, le contenu reste le même, sans doute pour vous procurer le même plaisir. Merci de regarder Golf TV Africa et de préférer Golf FM Africa. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Portez-vous bien. Cette